Mesdames et messieurs, notre république aujourd'hui est devenue une république sale. Ça nous fait très mal. Est devenue une république délinquante. Ça nous fait très très mal. Notre république, la Guinée, est devenue une république délinquante. Ça nous fait très mal à le dire, mais c'est la vérité. On n'a pas le choix, il faut qu'on dise la vérité. Mariam Diallo, comment vas-tu, ma sœur? La République de Guinée, Alpha Condé a rendu cette République délinquante. Cette République sans dignité. Alpha Condé a déshabillé la République de Guinée. C'est la vérité. Aujourd'hui, la République de Guinée est en conflit un peu partout à l'international. Vous savez, il y a une affaire qui oppose la République de Guinée à une société de, je dirais même pas, est-ce que c'est une société même, ou bien c'est une agence, ok, c'est une agence comme ça, chargée de la protection des grandes personnalités, y compris nos démagogues présidents de l'Afrique. Alors actuellement, la Guinée doit payer des millions et des millions à cette société israélienne. Tout simplement parce que la Guinée n'a pas respecté, M. Alpha Condé n'a pas respecté ses engagements. Je vais vous faire la lecture. Et on va essayer d'expliquer ensemble. Vous allez comprendre. On dit, litige avec une société belge, l'État guinéen lourdement condamné en France. Voyez-vous, l'État guinéen lourdement condamné en France. La Guinée perd le procès en appel qu'il avait intenté dans le litige l'opposant à la société belge, Air Trade Belgium, dans un arrêt rendu le 13 avril 2021. La Cour d'appel de Paris a rejeté le recours de l'État guinéen contre sentence arbitrale rendue le 22 novembre 2017 par le tribunal arbitral sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris. Cette décision avait condamné la République de Guinée à payer à la société Adetrad les montants suivants: 31 906 euros, 906 000, 31 906 745 euros à titre de paiement pour les services et matériels fournis dans le cadre du contrat Léopard. Donc, M. Alpha Condé a signé un contrat avec cette société pour sa protection. Là, on comprend maintenant pourquoi, à un moment donné, en République de Guinée, on voyait des blancs derrière ce monsieur Alpha Condé. On voit maintenant, on comprend maintenant pourquoi ce monsieur-là traînait chaque fois derrière monsieur Alpha Condé. Vous savez, moi, dans tout ça, 31 906 747 euros à titre de paiement pour les services et matériels fournis dans le cadre du contrat Léopard. Ça, c'est un. Deux, on dit 13 millions, l'État doit encore payer 13 782 599 euros à titre d'intérêt moratoire de 10, 3% calculé jusqu'au paiement intégral sur tous les montants alloués sous le chiffre A1. Un intérêt moratoire capitalisé de 10,3% à partir du 6 octobre 2016 jusqu'au paiement intégral sur tous les montants alloués sous le chiffre A1. Maintenant, prenez 31 millions. Arrondissons maintenant à 32 millions. Prenez 32 millions plus
Arrondissons cela maintenant, les 13 millions 700 et quelques, arrondissons cela à 14 millions. D'accord? 31 millions, 32 millions plus 14 millions. Ou bien, faisons juste le calcul du, ne faisons pas l'arrondissement. Ajoutons les 31 millions 906 747 euros plus les 13 millions 782 599 euros. D'accord? Il y a encore quelques poussières. Les 200, il y a 200 000 encore à payer. Donc, ajoutons à cela. C'est que ça va nous, ça nous envoie 40 millions, 44 millions. Ça nous envoie dans les bandes de 45 à 46 millions de dollars, d'euros. C'est que la Guinée doit payer à cette société qui assurait la sécurité et le service d'espionnage d'Alpha Condé en République de Guinée. Vous savez, monsieur Alpha Condé, ce monsieur, il pense qu'on peut gouverner avec de l'amateurisme. Il pense que ce qu'il fait en Guinée, il peut faire ça à l'étranger. Il pense qu'il peut faire l'ingratitude. Il pense qu'il peut jouer le faux devant tout le monde. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Et moi, ce qui me fait mal dans l'affaire, là, c'est que même si l'argent là était réglé à l'amiable, cet argent ne serait pas payé, hein, à travers le salaire de M. Alpha Condé, ne serait pas payé à travers la caisse noire d'Alpha Condé. Cet argent serait complètement et frauduleusement retiré de la caisse de l'État guinéen, du contribuable guinéen, pour la sécurité de M. Alpha Condé. Je me pose la question de savoir, vous savez, je vais vous dire quelque chose de très important, mes amis. Il y a toutes les institutions en Guinée, il y a tous les corps en Guinée, même les corps qui sont chargés à la sécurité du président de la République, hormis même M. Alpha Condé. Tout président de la République de Guinée, il y a un service, il y a un service, il y a un service spécial qui est chargé pour à la protection du président de la République. Et à l'époque même, il y avait un ministre chargé de la protection du président de la République qui était Claude Pivi. Vous savez, je vais vous dire pourquoi, monsieur Alpha Condé, je vais vous dire, on dit le volume, dites-moi, est-ce que le volume est bon? Quelqu'un n'a qu'à me dire si le volume est bon. Je vais vous dire pourquoi les gars comme M. Alpha Condé, ils laissent tout dans leur pays et ils vont se confier à l'étranger. C'est parce que tout simplement, c'est des gars qui ne sont pas bons. C'est parce que tout simplement, c'est des gars qui manquent de confiance en eux-mêmes. C'est parce que tout simplement, c'est des gars qui manquent de légitimité. C'est parce que tout simplement, c'est des gars qui n'ont jamais su créer, c'est-à-dire un état de confiance. Comment on peut imaginer qu'avec l'armée guinéenne, qu'avec la police guinéenne, qu'avec la gendarmerie guinéenne, qu'avec les services de renseignement guinéens, qu'avec, c'est-à-dire ce ministère chargé de la protection du président, qu'on laisse tous ces gens-là et qu'on va dépenser des millions d'euros dans une société étrangère pour venir assurer la sécurité d'un chef d'État. Mesdames et messieurs, comment vous pouvez comprendre cela? Il y a un budget alloué, il y a un budget de l'armée guinéenne. Et les gars qui vont assurer la sécurité du président de la République, je pense que ces gars-là, ils ont un budget à eux. Ça n'a rien à voir avec l'armée guinéenne. On laisse tous ces gens-là. C'est-à-dire, Alpha Condé, depuis son accession au pouvoir en Guinée, depuis son avènement en Guinée, depuis 2010, il a commencé à chier sur la République de Guinée. Depuis 2010, il a commencé à, c'est-à-dire, il a commencé à compromettre sa propre stabilité en Guinée.
Depuis 2010, il a commencé à se créer ses propres ennemis en Guinée. Maintenant, dites-moi, en toute vérité, en toute franchise, cette société-là était censée faire quoi? Était censée protéger M. Alpha Condé. Mais posez-vous maintenant la question, où est-ce que cette société est restée? On a fait un soi-disant attentat à la vie de M. Alpha Condé. Si je me trompe, c'était dans les années, c'était dans les bandes de 2000, 2014, 2015, 2013 par là. Parce qu'on a dit qu'il y avait un faux coup, il y avait un coup contre M. Alpha Condé, il y avait, voilà, on a attenté à la vie du président de la République. Cette société-là était où? Qui prenait des millions d'euros pour la protection d'Alpha. Et les gens qui ont été arrêtés dans ce faux coup-là, ils sont où? Il y a des officiers qui ont été arrêtés dans ce faux coup. Mesdames et messieurs. Alors, Monsieur Ibrahima Sylla, toi tu dis, je ne sais pas qu'est-ce que tu dis, dégage ou quoi. Vous savez, Monsieur Ibrahima Sylla, je me demande pourquoi vous êtes là. Je me demande pourquoi vous êtes là. Parce que si vous êtes là, c'est peut-être que vous n'avez pas autre chose à faire. C'est parce que vous n'avez pas de préoccupation. Si vous êtes là, m'écoutez. Au lieu de dire dégage, dégage là, je pense qu'en réalité, tu n'as absolument rien à faire ici. Je vous ai dit, des gens comme vous, il y a la boue à la place de votre cerveau. La boue à la place de votre cerveau. Et c'est cette boue-là, moi, je veux laver. Monsieur Silla, c'est cette boue-là, je veux laver. Tu penses qu'il suffit d'avoir le nom Silla pour être quelqu'un de bien? Bon, c'est des gars comme ça que moi j'appelle des simples suivistes. Ils suivent quelqu'un parce que son papa a suivi cette personne, parce que son grand-père l'a suivi. Moi je ne suis pas dans ce cadre, monsieur Ibrahima Sylla. Tu vois, moi je suis plus intelligent que toi. Tu vois, j'ai beaucoup plus de valeur que toi. J'ai ouvert mon téléphone, je me suis mis à parler. Je t'ai même pas invité. Tu es simplement une cloche. Et il faut attendre qu'on te sonde. Tu es une cloche suspendue. Tu sais, à l'école là, à l'école primaire en Guinée, il y a une cloche à 10 heures pour la récréation, on sonne. Alors, monsieur Ibrahima Sylla, des gens comme toi, de votre catégorie là, vous représentez simplement une cloche. Il faut que vous attendiez qu'on vous sonne. Pour le moment, je t'ai pas encore sonné. Ok? Alors, reste ici et écoute. Et si ça te fait mal, dégage. Tu vois? Je suis pas encore arrivé à la cloche. Je dois sonner la cloche. Mais des gars comme vous, il y a la boue là. La boue. Bourana. C'est ça votre problème. Alors, mesdames et messieurs, vous devez vous poser la question. Aujourd'hui, cet argent-là, la Guinée doit payer. Ça, c'est une société israélienne. D'accord? Monsieur Alpha Condé doit payer cet argent-là. Doit payer ces millions-là. Ces 40 et quelques millions d'euros. Il doit payer. C'est obligatoire, c'est obligé, il doit payer. Il va payer d'une manière ou d'une autre. Et ce sont eux qui sont là à nous dire qu'il n'y a pas d'argent et cette année, ça sera difficile. Et là, ils vont payer ces 40 et quelques millions d'euros à cette société qui assumait sa protection en Guinée. Qui perd? C'est la Guinée qui perd. Alors, quand on vous dit que ce monsieur-là gouverne la Guinée avec de l'amateurisme, il y en a qui pensent qu'on n'aime pas Alpha Condé. Moi, je m'en fous. J'ai pas d'amour pour Alpha Condé. Je m'en fous de cet amour. Et je ne veux même pas avoir d'amour entre Alpha Condé et moi. De toute façon, c'est un homme. D'accord? Si moi, je dois traiter une histoire d'amour, c'est entre une femme et moi, mais entre un homme et moi. Je parle
C'est-à-dire, moi, là, je parle de la fraternité ou de l'amitié. Mais là, il n'y a pas d'histoire d'amour. D'accord? Un frère à moi, ok, il y a la fraternité entre nous, il y a de l'amitié, ok, il y a de la parenté, ou bien il y a de la sympathie. D'accord? Ou il y a de l'harmonie entre nous. Il n'y a pas d'histoire d'amour entre Alpha Condé et moi. Il ne peut jamais y avoir. Il n'aura jamais. Ce qu'il devait faire, c'était de travailler. Mais il n'a pas su travailler. Ceux qui se collent à Alpha pour dire que Alpha, on t'aime là. Vous êtes des fous. Vous êtes mentalement atteints. Mentalement, vous êtes atteints. Parce que pendant que vous êtes là à dire Alpha, on t'aime. Alpha, Idoumanien. Nous, on aime Alpha. Alpha vous connaît même pas. Vous pensez que Alpha a quelque chose à voir avec l'amour? Alpha n'a jamais connu l'amour dans sa vie. Alpha, c'est un homme d'intérêt. Alpha sait ce qu'il veut. Votre amour là, Alpha s'en fout. Il l'utilise dans le sens négatif. Il se sert de vous parce que en réalité vous êtes des moutons. En réalité, Burana na Ogunyi, c'est la boue qui est là. L'amour d'un président, l'amour d'un président, s'il doit avoir l'amour entre un président et son peuple, cet amour doit se matérialiser par le travail. On n'aime pas un président, on aime ce que le président fait. Et ça, c'est obligatoire, il doit le faire. Il est président pour ça. Mais s'il ne le fait pas, on doit le critiquer, on doit le pousser jusqu'au mur. C'est la vérité. Alors, Alpha Condé disait que même la femme qui vend le piment au marché doit payer maintenant de l'impôt et tout ça. Ok, l'argent de cette femme-là ira dans les paiements de cette société qui assurait la garde d'Alpha Condé. Il faut être un président en manque de confiance pour aller se confier à l'étranger. Pour sous-estimer tous les corps qui sont dans son pays, toutes les forces de défense qui sont dans son pays, les forces de l'ordre qui sont dans son pays. Il faut être un président en manque de confiance pour aller prendre une société à l'étranger et venir assurer sa protection. Et ce que vous oubliez, ce que vous ignorez, c'est que si Alpha Condé s'amuse à payer, si il s'amuse, c'est-à-dire s'il montre en un seul instant qu'il ne veut pas payer cet argent, tout ce qu'ils ont fait comme travail en Guinée, ces gens-là sont prêts à sortir tout et ils sont prêts à réagir. Ça, ce n'est pas les Guinéens, hein. Ça, c'est les Israéliens, ça, et les Belges. Ils sont prêts à trimballer votre champion-là par où ils veulent. Alpha Condé, là, il n'a pas affaire avec les Guinéens, il a affaire avec des Juifs. Et des Belges. Je vous ai dit que la fin du film n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Et nous allons tout comprendre. Et très bientôt. Vous savez, aujourd'hui, à l'état, à l'instant T où je vous parle, il y en a qui diront que nous inventons des histoires. Les passeports de M. Kassori Fofana sont bloqués par M. Alpha Condé. Vous savez pourquoi? Parce que il y a une histoire d'audio qui s'est passée entre Kassori et les espions qu'Alpha Condé a envoyés à Kassori. Deux espions, deux gendarmes guinéens, deux femmes qui ont été manipulées, qui ont été formés et qui ont été envoyés à Kassori par Alpha. Et qui ont enregistré Kassori à son insu. Pendant qu'il avait des relations avec ces femmes-là. Quand je dis relations, comprenez quel genre de relations. Elles ont enregistré Kassori à tour de rôle. Et dans cet audio, dans les jours à venir, vous allez écouter cet audio.
Là où Kasuri traite Alpha Condé de tout. Là où Kasuri traite le protocole d'Alpha Condé de tout. Vous allez tout entendre. Vous savez, même Espace FM a fait. Ils ont parlé, les grandes gueules ont parlé de cet audio. Les Guinéens pensent que c'est quelque chose qui est monté. Ce n'est pas monté. L'audio existe bel et bien. Vous allez écouter l'audio là. Je vous assure, selon moi, vous allez écouter l'audio. Et la dissension, la division entre, c'est-à-dire le désaccord entre Kasuri et Alpha, vient de là. Parce que Alpha Condé est rentré en possession de ces audios-là. Alpha Condé sait aujourd'hui ce que Kasuri pense de lui. Ouais. Les deux dames, les deux gendarmes qui ont été envoyés à Kasuri, qui ont espionné Kasuri, parce que Alpha Condé, connaissant les faiblesses de Kasuri, il a joué la politique. Kasuri aime les femmes. Il aime le luxe. Et là où l'action s'est passée, à l'hôtel où l'action s'est passée, vous allez tout savoir. Mesdames et messieurs, vous allez tout savoir. Alpha Condé a les audios aujourd'hui, il les a écoutés. Tout ce que Kasuri a dit à son propos. Et c'est là le désaccord entre Kasuri et Alpha. Aujourd'hui, Kasuri ne peut pas voyager. On a bloqué tous ses passeports. Passeport américain comme passeport guinéen. Il ne peut aller nulle part. Le monsieur, il a les pieds et les jambes attachés aujourd'hui. Ils vont vous dire, ah non, tout va bien entre Kasuri et Alpha. C'est faux. C'est archi faux. Même M. Sylou Dalein Diallo a cet audio-là. Les membres les plus proches de Sylou Dalein Diallo, ils ont cet audio-là. Mais ces gens-là, eux, ils ne peuvent pas diffuser l'audio. Ils ne peuvent pas faire cela. Parce que eux, ils sont des responsables. Mais nous, nous allons faire. C'est des responsables de haut niveau. D'accord? Ils n'ont pas le même niveau que nous. Mais nous, nous allons faire pour que vous compreniez. Parce que c'est une manière de ne pas dire la vérité au peuple. Kasuri a vraiment traité Alpha. Il a vraiment traité Alpha. Et l'audio, vraiment, c'est indescriptible. C'est indescriptible. C'est pourquoi M. Alpha Condé. Vous savez, la fois dernière, on a parlé de la démission de Kasuri Fofana. Le déplacement d'Alpha Condé aller chez Kasuri, ce n'était pas seulement pour aller convaincre Kasuri, mais c'était pour aller discuter de cette affaire d'odieux. Oui. Parce que. Les deux dames, les deux gendarmes que Alpha Condé a envoyé, manipulés, envoyés à Kasuri, et que Kasuri a tapé à l'hôtel, dans la suite à l'hôtel, ces deux dames-là n'ont pas menti. Et Kasuri a bel et bien été enregistré. Mais les plus petits aujourd'hui, au sein de la mouvance, ils ne peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas. Et vous savez, ce qui est marrant dans l'affaire, c'est que Alpha Condé se croit beaucoup plus intelligent. La mouvance, les gens au sein de la mouvance, ils se croient beaucoup plus intelligents que les autres. Ils ne savent pas que la mouvance est infiltrée. Nous, nous avons des éléments dans la mouvance. Le gouvernement d'Alpha Condé est infiltré. Il y a des informateurs là. Même la présidence est infiltrée. Donc, ils ne peuvent pas nous cacher des informations. C'est impossible. Et ils ne peuvent pas cacher des informations à Sélou. Parce que même ce qui se dit entre Damaro et Alpha, nous, nous sommes au courant. Ce qui se dit à la présidence, nous, nous sommes au courant. C'est pourquoi je vous dis, la fin du film n'est pas bonne. Et vous allez tout comprendre. Je vous ai dit, comprendre, c'est de comprendre ce qu'on n'avait pas compris. Vous savez, la véritable opposition aujourd'hui, c'est au sein du RPG Arc-en-Ciel. L'UFDG, Sylou Dalein Diallo, tout ça, là, ceux-là,
on ne les considère pas comme de l'opposition. La véritable opposition aujourd'hui, c'est au sein du RPG Arc-en-Ciel. Parce que les leaders du RPG Arc-en-Ciel, les représentants du RPG Arc-en-Ciel, à commencer par Mohamed Diané, il est en train de jouer aujourd'hui un jeu de propagande en Haute-Guinée. Il est en train de corrompre aujourd'hui. C'est pourquoi il est fréquent en Haute-Guinée actuellement. Il est en train de corrompre aujourd'hui les jeunes de la Haute-Guinée et les sages de la Haute-Guinée. Et le slogan, vous savez, le slogan, c'est quoi? C'est Alpha Condé veut laisser le pouvoir à la basse cote. Et eux, ils ne veulent pas perdre le pouvoir. Parce que pour eux maintenant, c'est-à-dire, il faut se battre pour le mandingue. Mais ils oublient qu'on n'est pas dans une affaire de mandingue en Guinée. Nous avons besoin d'un compétent à la tête de l'État. Donc aujourd'hui, au sein du RPG Arc-en-Ciel, il y a le clan de Mohamed Diané qui lutte férocement pour ne pas que le pouvoir quitte dans leurs mains. Donc le RPG n'existe même plus aujourd'hui. Hein. Le RPG Arc-en-Ciel, dans le fond, n'existe pas aujourd'hui. Parce que ce que vous oubliez, c'est que M. Kassori Fofana, en réalité, il veut maintenant que tout s'arrête. Il veut que tout s'arrête. Parce que lui, il a ses éléments aujourd'hui. Et des éléments qui sont prêts à taper fort pour la prise du pouvoir en Guinée. Cette histoire de basse-cote lagnée, cette histoire de mandingue, ce n'est pas une petite histoire en Guinée, mesdames et messieurs. Parce que même au sein de l'armée, ça existe maintenant, à l'heure où je vous parle. Quand M. Alpha Condé est venu, les enfants qu'on a envoyés à Angola pour la formation, la plupart de ces enfants-là étaient issus de la Haute-Guinée. Et ceux qui sont derrière lui aujourd'hui à la présidence, ce sont ces enfants-là venus de l'Angola, qui ont suivi la formation en Angola. La plupart sont issus de la Haute-Guinée. Kassori le sait très bien. C'est l'œuvre de Mohamed Diané. Et les recrutements, tous les recrutements qui se sont faits sous le régime d'Alpha Condé, vous prendrez la plupart des enfants, les gendarmes, les policiers, les militaires, la plupart sont issus de la Haute-Guinée. C'était des recrutements sélectifs. Ce n'est pas fait au hasard. C'est fait dans un seul but. Qu'après Alpha Condé, il ne faut pas que le pouvoir quitte dans la main du mandingue. Et c'est ce que Mohamed Diané, c'est ce jeu-là Mohamed Diané est en train de faire aujourd'hui. Et vous savez, les officiers de la Moyenne Guinée, ils n'ont pas aussi dit leur dernier mot, hein, parce qu'eux, ils ont tous compris le jeu. La Guinée est en danger. La Guinée est en danger, mesdames et messieurs. Qu'on vous le dise ou pas, la Guinée est en danger. Devant Alpha Condé, la Guinée est en danger. Après Alpha Condé, la Guinée est en danger. Aujourd'hui, au sein de l'armée guinéenne, il n'y a pas de respect. Il y a tellement de généraux que ces généraux-là se haïssent entre eux. Les colonels, les capitaines, les lieutenants, tout ça là, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'harmonie. Tout le monde est prêt à frapper. C'est là le problème guinéen. Tout le monde aujourd'hui, c'est-à-dire, il y a tellement de groupuscules dans l'armée guinéenne que tout le monde est prêt à frapper après juste le départ d'Alpha Condé. Alpha Condé meurt aujourd'hui, vous allez voir les mouvements en Guinée. Vous allez voir les agitations en Guinée. Ouvrez les yeux pour comprendre les choses. Ouvrez les oreilles pour entendre. La Guinée est en danger. Alpha Condé, c'est pourquoi Alpha Condé a dit la fois dernière que je ne suis pas le dauphin de quelqu'un et ceux qui pensent être mon dauphin, c'est leur problème. Parce qu'il a compris que là, le fer est rouge. C'est-à-dire, il a fait un aveu d'échec devant le peuple. Il s'est acquitté de toute responsabilité pour dire, le jour que je vais mourir, tous ceux qui vont se réclamer en disant, nous sommes le dauphin d'Alpha Condé, Alpha Condé a dit devant tout le monde que personne ne sera son dauphin.
Et personne ne va le coller son nom pour dire que je suis le dauphin d'Alpha après lui. C'est ce qu'Alpha a dit. C'est pour dire que vous, les enfants qui êtes là aujourd'hui, vous qui vous agitez là, tout ce que vous allez faire après moi ou à mon nom, c'est votre problème. Moi, j'ai déjà dit à mon peuple que tout ce qui va se passer derrière moi, tous ceux qui vont se réclamer, soi-disant, dauphin d'Alpha Condé, c'est faux. C'est faux et archi faux. Alpha Condé a compris qu'il a échoué. La Guinée est en danger, mesdames et messieurs. Vous savez, Alpha Condé est à l'image de ce vieil homme de 86 ans ou 87 ans ou de 78 ans qui, en le demandant, il dit, parmi mes enfants, il n'y a aucun qui peut prendre la relève. Il n'y a aucun. Je n'ai pas de successeur parmi les enfants, parmi mes propres enfants. Un vieux de 84 ans, 85 ans ou de 78 ans qui dit, je n'ai pas de relève parmi mes enfants. Ça veut dire que le vieux, il a échoué dans son éducation. Il a échoué dans son encadrement. Il a échoué dans la composition de sa famille. Si un vieil homme de cet âge dit que dans sa famille, il n'a pas de successeur, ça veut dire que tout ce qu'il a fait comme éducation, tout ce qu'il a fait comme encadrement, il a échoué de long en large. C'est la même chose qu'Alpha Condé. Alpha Condé a échoué au sein de son propre parti politique. Parce qu'il n'a pas su former quelqu'un pour assumer la relève. Voyez-vous? Il n'a pas su. Et aujourd'hui, le RPG arc-en-ciel, vu que ça n'existe plus, chacun est là avec sa tête. Chacun est là avec son petit nom. C'est devenu un éléphant mort. D'accord? On a coupé les bras, on a coupé les jambes, tout ça. On a démorcelé. Ce qui reste maintenant, c'est que chacun prenne sa part. Et chacun parte avec sa part du gâteau. Et vous savez, cela attend seulement le départ d'Alpha Condé, la mort d'Alpha, probablement d'Alpha Condé. La Guinée est en danger. Mais ce que moi j'ai à dire à ce propos, je sais que l'armée guinéenne est composée. Je sais que l'armée guinéenne est divisée aujourd'hui. Je sais que cela ne date pas d'aujourd'hui. Chaque général de l'armée guinéenne a son clan. Et cela existe aujourd'hui encore. Chaque général de l'armée guinéenne a son clan. Chacun est là avec son élément. Et je sais qu'il y a des enfants, il y a des enfants qui sont prêts à frapper, à ne pas respecter l'ordre de ces généraux-là. Je sais qu'il y a des capitaines, je sais qu'il y a des commandants, je sais qu'il y a des caporal-chefs, je sais qu'il y a des sergents-chefs, je sais quand même qu'il y a des sous-officiers qui sont prêts à frapper à tout moment. Je sais cela, je suis au courant. Mesdames et messieurs, l'appel que moi je lance, je dis, reste tout simplement à Monsieur CDD. Je dirais tout simplement à Monsieur CDD de se tenir prêt. De se tenir prêt. Quand je dis se tenir prêt, c'est-à-dire avec tout ce qui va avec. Oui. Parce qu'on aura compris beaucoup de choses avec le pouvoir d'Alpha Condé. On aura compris beaucoup de choses avec la gestion d'Alpha Condé. Dites à M. CDD de se tenir prêt. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont prêts à le suivre. Quand je dis les enfants qui sont prêts à le suivre, il le sait, je le sais. Et les personnes intelligentes aussi le savent. Alors, dites-lui de se tenir prêt. Partagez la vidéo. La Guinée est en danger, je répète encore. La population guinéenne est en danger, je répète encore.
les ministres d'Alpha Condé, aujourd'hui, ce n'est pas des ministres. C'est des gens qui sont là uniquement pour des intérêts. C'est des gens qui sont là aujourd'hui à se préparer. À se préparer. Comment ça va se passer l'après Alpha Condé? Quel clan il faut rejoindre? Parmi tous les clans qui ont été créés là, quel est le clan le plus fort? Et en parlant de clan, n'oubliez pas le clan de Damaro, le président de l'Assemblée. Les généraux de la police, ok? Les Fabou Camara, les Bafoué là, ce sont les enfants de Damaro. Le boss de la gendarmerie, la Keboro, ce sont les enfants de Damaro. Il y a encore des officiers dans l'armée qui sont encore des enfants de Damaro. Et vous savez, après le départ d'Alpha Condé, personne ne va respecter l'ordre en Guinée. Personne ne va respecter ce qu'on appelle Assemblée guinéenne. Personne ne va respecter. Non. Je sais que l'armée qui est divisée, et il n'y aura pas de respect. Et rien ne va se passer comme prévu. Rien ne va se passer comme prévu, mesdames et messieurs. Alors, les amis, partagez la vidéo au maximum. Je vais vous dire encore quelque chose de très important. Dans les jours à venir, vous allez écouter l'audio. Ce que Kasuri a dit dans les oreilles de ces deux dames à l'hôtel, pendant qu'ils étaient vraiment, ils passaient le bon temps. Mais vous savez, après la pluie, il y a la tempête. Hein? Voilà. On dit grève des huissiers et des avocats. Pas d'audience dans les cours et tribunaux de Conakry. Maintenant, c'est le tour des huissiers et des avocats qui sont en train de gréver à Conakry. Alors, pourquoi ces huissiers et ces avocats font la grève? Pourquoi? On va lire. On dit, comme annoncé dans une de nos précédentes dépêches, les huissiers de justice de Guinée observent depuis plusieurs jours déjà une grève générale et illimitée sur toute l'étendue du territoire national. Par ce débrayage, ils dénoncent une entrave à l'exécution des décisions de justice. Entrave de l'exécution des décisions de justice. Qui entrave? C'est M. Alpha Condé. C'est le pouvoir exécutif. C'est pourquoi, quand on vous dit chaque fois ici que la décision est complètement attachée à la présidence, il y a des gens qui pensent qu'on ment. Il y a des gens qui pensent qu'on est là à raconter des tralala. Il y a des gens, vous savez, moi, sachant que je suis écouté par plus de 30 et quelques, ou par plus de 100 et quelques mille personnes, des gens qui suivent mes vidéos à travers le monde, je ne peux pas me permettre de raconter n'importe quoi. Je veux avoir la certitude ou je veux avoir au moins 80%. Ce que je vous dis, il faut que j'aie la certitude au moins à 80 ou 75%. D'accord? Avant de vous dire, même si après vous découvrez la vérité ou même si après vous découvrez la chose, que vous vous dites au moins, M. Kanté nous a dit la vérité, il ne nous a pas menti. Ah ça, M. Kanté nous avait dit. On vous a longtemps dit ici que la justice guinéenne n'est pas une justice qui répond aux critères d'une justice indépendante. La justice guinéenne est complètement attachée à la présidence, comme toutes les autres institutions de la République. Je vous ai dit. Et Fonike Menge, quand il a été condamné à une année de prison, il a bien dit, il dit, ce n'est pas cette dame, ce n'est pas la juge là. Je ne m'en prends pas à cette dame, à cette pauvre dame. Ma condamnation vient directement de la présidence, c'est Alpha Condé. Et tout le monde sait que c'est Alpha Condé. L'arrestation de Souleymane Condé, la condamnation des Madix sans frontières,
L'arrestation de Ousmane Gawale, si c'est M. Alpha Condé, on ne nous dira pas le contraire. C'est lui. Et le retard dans ce jugement, c'est M. Alpha Condé. Il a dit haut et fort devant les gens qu'il détient des preuves. C'est faux. Il veut monter des preuves. Il veut monter des preuves. Et je vais vous dire encore, je vais insinuer quelque chose ici. Je ne suis pas un prophète, mais je vais vous dire quelque chose de très très important. Alpha Condé est en train de monter des preuves contre les Ousmane Gawal ici. Dans cette affaire de fermeture des cimetières de Bambeto, mesdames et messieurs, ouvrez bien les oreilles. Alpha Condé a accusé les gens pour dire qu'ils détiennent des armes, qu'ils fabriquent des armes. Ce même monsieur Alpha Condé est capable un jour de sortir des armes dans ce cimetière de Bambeto pour dire que les Ousmane Gawal ici, ils cachaient ici les armes. Alpha Condé est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il faut trouver un lieu dans c'est-à-dire dans cette commune où il faut stocker des preuves fabriquées par Alpha Condé. Parce que on a beau réfléchir, on a beau chercher où est-ce qu'on peut dissimuler les armes, où est-ce qu'on peut dissimuler les Kalachnikov, où est-ce qu'on peut dissimuler pour dire qu'on a trouvé des preuves. Où? On a beau chercher dans cette localité-là, on n'a pas trouvé. Alors il faut faire preuve, c'est-à-dire il faut faire preuve d'imagination. Et l'imagination faite aujourd'hui, ce sont ces cimetières-là, soi-disant qu'ils vont accomplir des travaux. C'est faux, c'est pas des travaux. Ils veulent dissimuler des preuves là dans ces cimetières pour dire que c'est là que les Ousmane Gawal ici cachaient des armes. C'est au cimetière. Vous allez voir. Mais les gens vont comprendre. Là, je suis en train de parler. Ils sont en train de me regarder. Ils sont en train de me regarder. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est une réalité. Mais une réalité qui reste encore obscure. D'autres personnes vont parler de la même chose que moi. Ça va aller comme ça, ça va aller comme ça, ça va aller comme ça. Jusqu'à ce que on va démolir leur plan. C'est pourquoi je vous dis de partager la vidéo. On a beau chercher des lieux pour dissimuler ces preuves-là contre les Ousmane Gawal. Parce que Alpha Condé a dit quoi? Que ces gars, ils sont arrêtés pour fabrication d'armes. D'armes légères et armes de guerre. D'accord? Alors il faut trouver un lieu. Un lieu, parce qu'on ne peut pas dire qu'il détenait seulement deux armes ou trois armes. On ne peut pas dire qu'il détenait trois Kalachnikov et deux couteaux, non. Il faut des centaines et des milliers. Mais où est-ce qu'on peut stocker ces centaines et des milliers? Dans quel bâtiment? Dans quel bâtiment public ou dans quel bâtiment privé? On ne peut pas renverser un président de la République avec 10 armes. C'est impossible. D'accord? On ne peut pas renverser un régime avec 10 armes, avec 100 armes. Non. Mais il faut trouver un lieu vaste, d'accord, pour dissimuler au moins des milliers d'armes blanches et d'armes de guerre. Dans cette affaire de fermeture des cimetières, vous allez comprendre. C'est pourquoi je dis à la population de Bambeto, que ça soit de nuit ou de jour, regardez bien tout ce qui va entrer dans ce cimetière-là, que ce soit des camions, que ce soit des pick-up de police et de gendarmes, que ce soit quoi, que ce soit des véhicules banalisés, regardez bien les mouvements, regardez les rentrées et les sorties. Et si vous avez même la capacité de filmer, filmez tout. Ils sont capables de cacher des armes et venir enterrer là, pour dire on a ouvert le cimetière. Et venir maintenant un autre jour pour dire on a fait des découvertes macabres, on a fait des découvertes vraiment terribles ici, on a fait des découvertes d'armes ici. Donc, population de Bambeto, faites
Attention, regardez bien, réfléchissez, ouvrez les yeux, vous allez comprendre. Vous allez comprendre le jeu qui est là. Alors, les huissiers et les avocats aujourd'hui, ils sont rentrés en grève. On dit sur toute l'étendue du territoire, parce que, on dit, par ce débrayage, ils dénoncent une entrave à l'exécution des décisions de justice liées au refus du procureur général de délivrer les réquisitions. Mais procureur général, là, c'est qui? C'est pas Alpha Condé? Parce que la statuette qui est là, ben, c'est le bras d'Alpha Condé. Par solidarité professionnelle, les avocats ont jugé utile de les accompagner dans ce débrayage à partir de ce lundi pour exiger une bonne administration de la justice en Guinée. On dit, vous savez, je vous ai dit, la fin du film est mauvaise. Les gens en ont marre maintenant de M. Alpha Condé et de tout ce qu'il fait à travers les institutions en Guinée. Les gens en ont marre. Les gens en ont assez. Même ceux qui le supportaient, la plupart en ont marre maintenant de ce monsieur-là. La plupart en ont marre maintenant des agissements et des réactions de ce monsieur-là. Je vous ai dit, l'opposition, c'est dans ce camp-là. Ce n'est pas nous maintenant. Ce n'est pas nous qui sommes opposés maintenant au système. Mais c'est des éléments dans le système qui sont opposés au système maintenant. Et c'est là la véritable opposition. On dit, comme on pouvait la redouter, cela a eu un impact direct sur les juridictions de jugement du ce 19 avril 2021, Conakry. Il n'y a eu aucune audience dans les tribunaux de première instance à la cour d'appel de la capitale guinéenne. Bon, vous avez compris maintenant. On dit au tribunal de première instance de Dixine, aucun rôle d'audience n'a été affiché ce matin. La salle d'audience a été ouverte, mais aucun prévenu n'y a été amené. Tout était calme, sauf le bruit des ventilateurs troublé par moments le silence épais et qui régnait. Habituellement, c'est le tribunal criminel qui siège les lundis dans cette juridiction. OK? Il n'en a rien été aujourd'hui. Les magistrats ont dû se résoudre et se résoudre à accepter la réalité du jour. Bref, cette juridiction, qui d'habitude grouille d'avocats, n'a enregistré la présence d'aucun de ces hommes en robe noire qui ont l'habitude de y plaider. Ok, les habitués des débats et des. Bon, mesdames et messieurs, vous avez compris. Vous avez compris tout ce qui se passe en Guinée. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Il est 0 h ici, minuit. Donc, comme je vous ai dit, ouvrez les oreilles, ouvrez les yeux, comprenez les choses. La Guinée est en danger. Prenez vos précautions, vous qui êtes en Guinée. Ceux qui ont des parents en Guinée, prenez des précautions. Parce que cette république est en danger. L'après Alpha Condé est une bombe. Et Alpha Condé ne s'est pas soucié de ce qui va se passer après lui. Il s'en fout. Il s'en fout. Le peuple qui vivra après lui, Alpha Condé s'en fout de ce peuple-là. Il n'y a aucune structure mise en place. Il n'y a pas. Tant pis pour nous. C'est ce qu'Alpha Condé se dit. Tant pis pour nous. Si nous voulons, nous allons faire la guerre. Si nous voulons, nous allons respecter les choses. Si nous voulons, nous allons nous décapiter. Alpha Condé s'en fout. Il s'en fout de ce qui va se passer après lui. Il s'en fout que les gens se chamaillent entre lui ou après lui ou pas, il s'en fout. Il s'en fout. Hein. La Guinée aujourd'hui est attachée partout. Alpha Condé est venu nous dire au début de son mandat que la Guinée n'était pas à l'international. La Guinée n'était pas à l'international. Lui, il est venu, il nous a dit qu'il a amené la Guinée à l'international. Mais aujourd'hui, la Guinée à l'international est attachée un peu partout. La Guinée est condamnée un peu partout. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand il est venu en 2010, il nous a dit que la Guinée n'était même pas dans les organisations internationales de la sous-région. À plus forte raison, internationale et internationale, la communauté internationale.
À un moment donné, les militants du RPG arc-en-ciel nous ont dit, ah non, le professeur nous a envoyés à l'international, nous sommes aujourd'hui dans toutes les institutions, nous sommes aujourd'hui dans la communauté internationale. Mais aujourd'hui, la Guinée est condamnée par toutes ces communautés internationales. Les États-Unis, le département d'État américain, l'Union européenne, ok? Même la sous-région, nous sommes attachés un peu partout. Regardez la fermeture des frontières là. Même la CEDEAO. La CEDEAO exige l'ouverture des frontières. La CEDEAO exige un dialogue entre Macky Sall et Alpha Condé. Mais le problème est que, au niveau de Macky Sall, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le Sénégal qui a fermé la frontière. C'est la Guinée qui a fermé ses frontières. Ce n'est pas la Guinée-Bissau qui a fermé sa frontière. C'est Alpha Condé qui a fermé les frontières. Alpha Condé, il a attaché la Guinée partout, 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 partout. Partout, il a attaché la Guinée. Partout, nous sommes condamnés. Et vous voyez maintenant la raison pour laquelle Alpha Condé ne fait plus de voyages à l'international. Au début de ses mandats, il faisait assez de voyages. Il partait partout, on appelait même papa avion, il montait dans l'avion, il allait partout. Mais depuis que la Guinée a eu d'innombrables problèmes à l'international, Alpha Condé ne bouge plus. Ça, c'est une raison. La deuxième raison, c'est que Alpha Condé n'a plus confiance à son derrière. Il sait qu'à tout moment, on peut renverser son pouvoir à Conakry. C'est pourquoi Alpha Condé ne se déplace plus. Venir en France, aller aux États-Unis, aller à Dubaï, aller en Turquie, aller ici. C'est pourquoi il ne fait plus les déplacements. Parce qu'il n'a plus confiance en son derrière. Il sait que le pouvoir en Guinée n'est plus solide. C'est la raison. Nous sommes attachés un peu partout, comme des voleurs. La Guinée est attachée à l'international comme des voleurs. On ne peut plus se mouvoir. Mais tellement qu'il est jaloux, tellement qu'il est aigri, tellement qu'il est haineux, tellement que c'est quelqu'un qui manque de vision, tellement que c'est quelqu'un qui ne veut pas le bonheur des Guinéens, vu que lui, il ne peut plus bouger, alors il retire les passeports de tous les Guinéens, c'est-à-dire des élites guinéennes, dit bon, personne ne bouge, je reste ici avec vous. Mais il pense que en retirant les passeports de CDD, en retirant les passeports de Kassouri, un premier ministre qui ne voyage même pas, il est maintenant en Guinée. En retirant les passeports de quelques éléments, de quelques officiers, il pense que ces gens-là, peut-être que il les a retirés leur vie. Il pense qu'il est en train de faire du mal aux gens, mais il se fait du mal lui-même. C'est pourquoi je vous dis, aucun mal, aucune injustice ne restera impunie par le tribunal de l'histoire. Si le pouvoir du dictateur et du plutocrate ne règne qu'une partie du temps, la force mentale d'un penseur qui se matérialise par une œuvre demeure et se transmet de génération en génération. La dictature va finir. La plutocratie va finir. Mais les bonnes choses que nous vous disons là, ça reste et ça se matérialise par des œuvres qui vont c'est-à-dire qui vont se transmettre de génération en génération. Vous êtes là aujourd'hui, cette vidéo-là, ça va rester sur cette page, ça va rester sur Facebook. Les enfants à naître, ils vont écouter cette vidéo. Demain ou après-demain, même si moi je meurs demain, Alpha Condé meurt demain. Les enfants qui vont regarder cette vidéo, ils diront, ce jeune homme-là, il avait dit ça, il avait dit ça, il était sur la bonne voie. Vous allez écouter cette vidéo après moi, et vous allez vous souvenir de moi. Les actes vont se passer devant vous. Vous aurez la vérité devant vous. Et vous allez comprendre que M. Somaro, M. Kanté n'était pas dans le faux. Il n'était pas dans le mensonge. Nous allons comprendre. Que Dieu nous donne longue vie. Donc sur ce, je vous dis bonne nuit. À demain, Inch'Allah. Je vous l'offre. Partagez au maximum la vidéo. Et dites à M. Sélou Dalein Diallo de se tenir prêt, de prendre toutes les précautions et d'ouvrir les yeux. Dites à la population de Bambeto de d'ouvrir les yeux et de voir, de regarder les allées et retours au niveau de ce cimetière-là. D'accord? Donc, wassalam, à demain, inshallah. Bisous à vous, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye.